Fermé. Bambier va partout. Alors, non, 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 regarde, mon coup, aucun estime complexe au tourné du Bogima. Next stop, World Criminal Court. Look at this. Red. Say something about it. Can you say something about that? Well, criminals without conscience are usually called psychopaths. And they have a use for everybody. What are you contesting today? Well, the murders, the assassinations, the use of militia to extract minerals from all the wealth from the gold from Congo. They have no mines in Rwanda, but they export. Tons and tons and hundreds of millions of dollars. Exactly. 11 Where billion do you think people it comes they from? Can. You know, we are here for Kagame. He's a killer. He's a guy. He's a sick guy. Thank we you need very his much. Head. Beautiful. Thanks. For their future. Because these multinationals, when they come, they're looking for minerals, they're looking for wealth. They're not coming for our well needs. We have to understand that. So what does the multinational has to see with the Rwandese? I'm not there. I'm a journalist. Why are you telling us that? Come again? Why are you telling us that? What's I'm the point? I'm talking to my friend here. Yeah, what's the point? The point? Yeah, he knows me that. Questions. We know. We know. He asked me a question. When he asked me a question, I'm entitled to give me an answer. Thank you. What about you? What do you think about Africa? Africa? What is going to Great Lake? What do you think about it? It's a good continent. It's a good continent? Yes. But what do you think about all the killing we're seeing on TV and so on? Killing from where? Everywhere in Africa. It's Congo, bad. It's Rwanda, bad. Burundi, what Uganda. What can I do? What can you do? Okay, well, then we're talking the same Being language. Done by Africans, stupid Africans. That is right. So you shouldn't do that. So, that means Africa need to find partners who understand that there is a way of making money without people. Oui, Frédéric Nzeimana de Burundi. Je suis venu manifester et encore manifester contre la présence du président Kagame dans la ville reine de Toronto. Je suis venu manifester parce que je ne supporte pas du tout la politique de M. Kagame. Je ne supporte pas la politique discriminatoire. Je ne supporte pas le fait que il s'improvise même dans la politique burundaise. Surtout, je suis ici pour dire que le 11 juin 1995 au Burundi, M. Kagame, dans une réunion, il a au campus de l'Université du Burundi, au campus Mutanga, il a encouragé, il a donné des conseils aux étudiants de l'Université Tutsi pour qu'ils éliminent, pour qu'ils massacrent d'autres étudiants Hutu. En leur disant ceci, c'est mieux de les éliminer complètement, c'est mieux de les tuer parce qu'il vaut mieux plus tard se battre en justice avec des personnes qui sont dans la tombe que plutôt des personnes qui sont des handicapés ou des estropiés. Alors je suis ici, le lendemain, des étudiants Tutsi, ils ont massacré une quarantaine d'étudiants Hutu, d'autres ont été réfugiés, on les a massacrés dans leur dortoir, on les a massacrés sous les lits, on a jeté des grenades dans les chambres du campus. Et c'est M. Kagame qui leur a dit, faites comme on a fait à l'Université nationale du Rwanda à Butare. Voilà pourquoi je suis ici pour soutenir tous ceux qui manifestent contre celui-là. Mais je suis ici aussi parce que le Congo, c'est notre pays voisin et je n'aime pas que le Rwanda de Tutsi puisse s'emparer du Congo, notre pays voisin. Je suis un frère des Congolais. Et mon frère, qu'est-ce que vous ajoutez? Oui, moi je suis ici spécialement pour
pour soutenir les Congolais. J'ai vraiment bien vécu avec les Congolais, surtout au Burundi. J'allais à l'école Zaïroise à Bujumbura, mais c'est une école qui a été formée par, et donc créée par l'ambassade de Zaïre au Burundi à l'époque. Alors j'avais beaucoup d'amis congolais, et puis tellement que les Congolais sont vraiment hospitaliers, je n'accepte pas que des Rwandais vont massacrer les mamans à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, moi, je donne mon message à toutes ces mamans et toutes ces filles congolaises que Kagame est en train de violer, l'armée de Kagame est en train de violer à l'est de la République démocratique du Congo. Moi, je leur dis, soyez calmes, mais les jours de Kagame sont comptés parce que le sang, votre sang, n'a pas coulé pour rien. Et puis, j'ai dit, vous les mamans, na pesi bino mbote. Boti kala kimia, nzambe azo mwona biso. Merci. I want to hear your comment, man. Give me a comment. What is Rwanda Day all about? What is Rwanda Day anyway? Rwanda Day is about, you know, basically getting Rwandans together, Africans together, Rwandans friends together, in order to see how to develop the country better, make business. There are a lot of opportunities. Okay. Make the life of Rwandans better. What is the type of opportunity that you have inside here? I'm sorry? What is the type of opportunity the Rwanda Day is offering? A lot. Like? Like going doing business there. What type of sending services? What type of business can you offer? I'm a journalist, but yeah, I'm telling you. Yes. Il faut prendre ça parce qu'on va dire au monde, regarde, là, un président, un chef, un président du monde vient faire sa conférence dans un marché. Maman, qu'est-ce que vous vous dites? J'entends des commentaires des parents. What do I have to say? Is that what you asked? Yeah, go ahead. Oh, well, I'm glad that a lot of people showed up to protest Kagame. He's gone. He's been allowed to continue abusing human rights with virtual impunity. It's important for us to come here and show solidarity as Rwandese people, as Congolese people, that we will not continue to tolerate Kagame and his gross human rights abuses. That's it? All right, thank you very much. Thank you. Guys, you're having a tough time here. Oh, yeah. How are you doing?
You have a comment? Oui, certainement, monsieur. What do you say? Okay. Je viens du African Socialist International in PDOM. And, you know, we know Kagame wasn't invited here by accident. Ce n'était pas un accident. Le gouvernement du Canada lui a donné les armes, lui a donné l'argent. Oui, et c'est le gouvernement du Canada et les États-Unis qui bénéficient du génocide au Congo, qui bénéficient de ces 23 trillions de dollars de ressources qui est au Congo, oui, et au Grand Lac dans l'Afrique. And it's, these resources, ces ressources ne nourrissent pas les peuples africains, ça nourrit les blancs, la population blanche de Canada et des États-Unis et de l'Europe. Donc, bien que Kagame est un assassin, c'est un criminel, mais c'est le gouvernement du Canada qui est le vrai assassin, le vrai criminel, parce que sans le gouvernement du Canada, sans les États-Unis, les Museveni, Kagame n'existeront pas. Ils n'ont rien de pouvoir. Si c'était au peuple du Rwanda et du Congo, ces forces seront tuées il y a longtemps. Mais c'est le gouvernement du Canada qui... Tu vois les policiers qu'ils ont pris, tu vois les militaires, il y a l'armée canadienne. Il y a l'armée canadienne de l'autre partie de cette part qui a pris Kagame par sa route. C'est ça. Kagame n'a pas... Son auto, ce n'était pas... Son auto, ils l'ont pris par la base militaire. C'est ça. Donc ils se connaissent. Qui se protège. C'est ça. Ils savent. Tous les Africains dans les mots de Lumumba, there's no choice between freedom and slavery. Il n'y a pas de choix entre l'esclavage et la liberté, comme Lumumba l'a dit. Comme Lumumba, comme Nkrumah, Sankara, tous ces peuples, on doit s'unifier comme tous les peuples africains doivent unifier et lancer les néocolonialistes comme Kagame, les néocolonialistes comme Kabila, comme Museveni. Et on doit retourner au mot de Garvey et Nkrumah, le Mumba, tous ces peuples-là, et libérer l'Afrique de ces impérialistes. C'est nos ressources, c'est notre terre, ce n'est pas aux Blancs, ce n'est pas aux Chinois, ça appartient aux Noirs du monde. Pas seulement les Congolais et les Rwandais, mais toutes les personnes noires. C'est tout, oui. Merci beaucoup. Diaspora Network is a TV network. Qu'est-ce que vous dites? What are you guys saying? Oh, we're ready to get in Toronto. What are you saying? Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez dire quelque chose? Mais on est là, on est venu et montrer au dictateur Kagame, au criminel Kagame, que ce qu'il fait là, on n'est pas content de lui. Ah, vous êtes arrivé. Hein? Il doit dégager là, il doit quitter là. Il doit arrêter de tuer les gens. On est ici pour dénoncer ce criminel. Je ne comprends pas comment il est ici à Toronto. On ne comprend pas comment on l'accueille comme génocidaire. C'est un génocidaire lui-même. All right. What is this message saying? Can you turn it around? Vous avez un commentaire? The only thing I stand up showing up here is people contesting. We are here for our president Kagame. Okay. Nothing is gonna change, no matter. No. You leave alone. We don't.
excuse me, sir. Can you just tell me who you are? Go back to where you were. Okay. Are you a silent journalist? Okay. Would you mind going back to the public area on the sidewalk, sir? I'm sorry? Okay, no, no. I'm asking you to go back to the public area on the sidewalk, okay? Have a comment? What are you gathering here? No, as you see, we overcome to show that this criminal is the biggest in this history of human being. As we are here, we want the world to notice that it's really a big issue, and everyone who fights for human being should be involved as we are doing. You see how they are hiding all over. We went to Sheraton Hotel, we went to Harbour Hotel, but by the end, he came to hide here. But we found it. Even if he go in the hall, we will go there and we will catch him. We will end up by catching him. We want just the world to know what's happening in Congo and as to be sensitive of our problem. So why do you think they brought a lot of security officers to gather the gathering? Come again? What do you think they brought a lot of public force to gather the demonstration? No, those police officers, they are doing their jobs. They have to be sure that everyone is secure. It's their job. We are here, we are manifesting it peacefully. So you think that there was no need to bring a lot of police force for the demonstration? You know what, those genocidal like Kagame, he thinks that he's targeting by anyone. The reason why every party, everywhere he go, he's afraid of his security. The reason why all those, what's wrong? It's not a person for the people. It's just someone who care by himself. Thank you very much. Thank you. I'm sure you're not going to allow me in, so I'm not going to try. No, that was just wrong. He was wrong and he was crazy. Gentlemen, can I see your message? You got to tell me. Can I find out what do you have there? And I'm here to ask President Obama to stop helping Kagame. So you think President Obama is backing Paul Kagame? The U.S. is Obama and think they should stop. We don't pay taxes to help criminals. We pay taxes to help America, not to help Kagame. So what do you think Kagame is hiding for? Do you think, is he reproaching himself something? What's up? What do you think Kagame is hiding for? Because I heard a lot of them saying that he's been hiding. Has the president... Yeah, well, he's afraid of us, actually, because we have some questions for him. Hello? For killing our parents and brothers and sisters. So that's why we're here. And he's afraid of answering some questions. So you think if the police wasn't here, this would be a peaceful demonstration? I doubt. You doubt? Yes, sir. So there's a need to have police officers around? Yes, we appreciate the work too. Thank you very much. No problem. You know the truth. You're not looking at the truth. I want to copy it. Combattant Babi, oui. Moi quelques paroles. Tokoto na Kagame dans mon andeke. Qu'est-ce que vous dites de Yolo Binde? D'abord, il y a Sony Ponaye. C'est la place à la conférence. Donc, je crois que vous allez vigilant. Vous allez boyer tout le temps. Vous allez à l'aise. Avant, vous allez faire la conférence. Les Sony Ponaye, vous allez faire un minéré, vous allez faire un diamant, vous allez faire un or. Botter la place à la conférence. Place à Sony. Marché Moroni à Gambela. Donc, c'est une leçon pour Naye et Longo, na mercenaire à travers Naye Kabila. Parce que Kabila, Kagame, Azaga, il est mon côté. Kagame, c'est le président Rwanda. Mais pourquoi tous les autres les mêlés? Parce qu'ils ont travaillé en complicité na Kabila ou à Toubéni, mercenaire.
à travers pour avoir intérêt à payer mon sous. Je crois que soirée ça me l'aille. Alors bah combattant vos awa, moi maloba, moi maloba. Papa, tu as un mingi à Kolobate, mais tu as informé le Congo. Tu as informé la diaspora. Tu as arraché victoire. Kagame a frôlé la mort. Kagame a frôlé la mort. Donc, Nenezawana, tu as recherché vite la voiture de Panzani. Et Panzani, Télé 24, il faut que nous avons vite le Wana. Tu as réseau de la diaspora. Ok. Donc, ok. Donc, ma vitre est pour Panzana. Oui, président Zamanazo, bengo parce que Naza devant et télé, awa, tu as dit qu'on arrachait victoire, tu as panzi vitre à Kagame, tu as panzi en haut. Donc, Azala qui y est, mon akati à voiture, va piéger Bissot. Mais le col à tout salam ou salanenge Sengeli, donc, Bakouye lié Manzange avec l'officier supérieur Otozo Pesa Combo ya Amiral Sage Gayala, chef d'opération, na niveau ya Canada, à Sali Moussala Naye. Voilà, Yangwanana Oebisa, Neko journaliste, Moussale Salami bien, Tozalia Sukwa Zanakati, Tobozelame, observer Arbet Masolo bien Tenakati. Voilà, Ingeta. Qu'est-ce que je veux dire, vous avez vu? Au moins, Canada, ils ont protégé. Canada, ils ont protégé assassin, vous avez vu? On protège un assassin, on ne comprend pas pour quelle raison. Bon, mais Dieu est dans. Tu as vu qu'on a brisé la vitre de Kagame. Et on est content, on a gagné notre guerre. Le message est passé, c'était ça l'essentiel. Bon, maintenant il nous reste une dernière guerre avec ces Rwandais qui sont là, qui sont en train de supporter un dictateur, un despote, le plus grand despote qui reste au monde aujourd'hui. Nous allons faire la guerre à ces gens. Voilà quoi. Mais si vous avez des questions, je suis à votre disposition, monsieur. On a remarqué, on peut dire que. On avait dit ceci, on allait faire mieux, sinon plus qu'à Londres. Et la minute où l'objectif n'a pas été atteint. Parce que à Londres, Bamba Kimaki, Bambi Milanyamaï, nous on a fait mieux. Ça veut dire qu'il y a eu les bangs. Aujourd'hui, les bangs avaient dit qu'il y a eu rien. Et Toboli vraiment donc. Vite la carrière ici. Ce qui est la quitte à Sima, nous avons mis le solo à Gambi, nous avons vu dans les nains. Mais nous avons vu le Rwanda, 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 partout à la 5, tous à la 10, tous à la 2, nous avons vu le Rwanda partout jusqu'à ce que le Congo soit libéré. Jusqu'à ce que le Congo soit libéré. Ingeta. Oyo esengeli baba na rotosa mungongo ya Congo awa soki to ebisi bango makambo to lijango te koyamba tata oyo ezalaki provocation na banzi dans l'ensemble ba congolais balakisi ke bakoki ko telema
baroki koye bisaye. Donc il est sous très haute surveillance. Haute surveillance. Kitoko. En tout cas, na kombwa plateforme na biso to CPL. Merci beaucoup. Merci. Mais on a beaucoup dit, je crois que le geste qu'on a posé, c'est un grand geste. Il fallait être là et c'est très significatif. Nous avons lancé un grand message pour dire que les criminels ne doivent pas avoir accès au Canada. Il y a un mouvement là-bas, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, je voudrais remercier tous ceux qui se sont déplacés, qui se sont donné la peine de venir ici pour protester de manière pacifique contre Paul Kagame, qui, comme on le sait, c'est un grand criminel et celui qui déstabilise toute la région de l'Afrique centrale. Alors il est temps qu'on mette terme à ces agissements. Il est temps que nous puissions nous coaliser comme on l'a fait aujourd'hui entre peuples, puisque le problème qui est là, ce n'est pas le problème entre le peuple congolais ou le peuple rwandais, mais seulement un problème au niveau de la politique, et c'est la politique qui est en train de nous diviser. Pas n'importe quelle politique, mais de la mauvaise politique. Donc, grand merci à tous ceux qui se sont déplacés. Et puis, en tout cas, soyons aux aguets. Le message est parti. Ils savent qu'ils ne peuvent pas venir se promener tranquillement ici. Ils vont nous trouver et nous serons là pour défendre la dignité humaine et pour défendre les droits humains. Voilà, merci. Commentaire. Il est là au moment où nous parlons, il est là-bas en train de causer avec ses frères, c'est ça, avec, c'est pas moi, les corps diplomatiques de certains pays. Moi, je vais écouter les Rwandais. Qui ont des compagnies minières chez nous, c'est quelque chose comme ça. Ils vont parler. Eux, ils vont parler. Hein? Non, eux, ils vont parler. Ils vont parler. Mais j'ai parlé. Let's go, guys. C'est un chip qui est mal mené par lui. C'est moi. Ça va, hein? Can I get a word from you, sir? Vous pouvez me donner un mot? Qu'est-ce que vous dites de la journée d'aujourd'hui? I don't know how to speak French. Oh, you can speak in English, no problem. Even English is a little bit. Anything I can't you use can it. Say. In any language you speak better. Are you from Congo? No, from Rwanda. Okay, what are you saying about this Rwanda Day? The Rwanda Day. Can you hear a bit on light? I don't know if I can use my mother tongue. Go ahead, no problem. Yeah. Umunsi wa Rwanda Day twaje hano kurwanya bitewe nuko tutishimira ibikorwa muri kiriya gihugu ibigikorerwamo ni bibi cyane, kuko abantu barapfa ubucya n'ubwira, barapfa umunsi ku munsi, kandi ubwo ntago birangiriraho gusa, ahubwo noneho akaba uriya mukuru w'igihugu twaje kumwamagana n'uburyo ateza akaduruvayo muri Congo. Nuko muri Congo naho rero ugasanga abantu benshi barapfuye, kugeza n'uyu munsi baracyapfa, ndetse twaje kurwanya ibigendanye n'ukuntu abagore bafatwa ku ngufu bagakorerwa violation. None kubw'ibyo rero twaje kumurwanya kugira ngo bishobotse n'amahanga amaze kumva ibyo abantu benshi ko batamushaka,
nibura bagerageze bafashe bumva amajwi y'abantu aho agiye hose aramaganwa haba mu Bwongereza yagiye yaramaganwa haba muri Chicago muri Amerika yagiye yaramaganwa ndetse mu Burayi naho aho ageze hose muri make yavugirizwe induru hago rero nzimpamva amahanga tabasha kugira icyo akora kugira ngo bishobotse noneho abantu babashe kubona umutekano wabo cyane cyane abo mu biyaga bigari aribo mu bihugu bya Congo Tanzania mu bihugu bya mbese bikikije kariya karere niwe biratangaje kubona ari we uhora uvugwa gusa uhora avugwa gusa ko ari we ubuze umutekano muri kiriya gihugu cy'u Rwanda abantu benshi barafunze ntibavuga bafunzwe umunwa kubera kumutinya ibyo akora byose nta na kimwe abantu bamwishimira none nayo mpamvu n'abatavuga suko batavuga ahubwo nuko babura aho bavugira none rero tukaba twaje kwamagana uwo muntu kugira ngo nibura amahanga abashe gusobanukirwa uburyo yaba yarazengereje kariya karere ko mu biyaga bigari hanyuma noneho abashe kugira icyo akora noneho ibintu bihinduke ndumva muri make ari icyo nabasha kuvugaho kubera yuko ntago abanyarwanda abakongomani abarundi twishimiye ibyo akorera muri biriya biyaga bigari n'abatavuga ntago ari uko badafite ibyo bavuga ntago ari uko bishimiye ibikorwa bye ahubwo nuko babura aho bavugira amahanga rero twumva tugira ikigongwe amahanga yumve imibaro y'abantu benshi amahanga yumva abagore bafatwa ku ngufu kubera umuntu umwe ntabwo rero nzi impamvu atagira icyo akora kugira ngo ibintu bihinduke muri biriya biyaga bigari cyane cyane babikore babigirira akarere atari ukuvuga ngo ni abanyarwanda gusa ahubwo babikore babigirira abakongomani babikore babigirira abanyarwanda babikore babigirira abarundi kuko akarere kose akabujije umutekano nuko ndumva ari ibyo navuga muri make naho ngarukiye.